Bon, honnêtement, j'étais agréablement surprise. C'est vrai que c'était différent de ce que j'aurais cru au préalable, mais je trouvais que c'était poétique, il y avait plein de références, Léonard de Vinci, François Ier, il y avait de la musique, inspiration orientale. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Ah ben, ça a été un très beau spectacle, on les félicite, c'était très bien. Mon fils il a participé, il est très content. J'étais très fier de faire ce spectacle et c'était extra bien. Il faut avoir du courage pour passer sur scène. J'ai bien aimé le spectacle, c'était original et ça change de ce que je peux voir d'habitude. Y avait un peu des références au passé, au présent, comment les enfants peuvent améliorer le futur et c'était très inspirant. C'était intéressant car ça parlait de la transformation de la société et de l'écologie. Et c'est vrai que la société se transforme énormément et c'est bien de le traiter en chanson. C'est vrai que j'ai beaucoup écouté ce qu'ont dit les enfants, il y a des choses qui étaient surprenantes. Ouh là là, ça incruste. Et c'est vrai que les enfants, on ressent, ils ont parlé de sexisme, ils ont parlé d'environnement, de pauvreté, ils ont vraiment envie d'améliorer notre vie. Quoi. Félicitations, c'était vraiment très beau, ils étaient en rythme, ils étaient très concentrés, sérieux et vraiment excellents. C'est une chance pour les enfants de pouvoir travailler avec un ensemble qui est quand même, qui a une renommée internationale, on peut le dire, et puis avec des musiciens quand même de grande valeur. Voilà, c'est une chance pour eux. De voir les élèves arriver à cette création-là, vraiment, ça provoque de la fierté, de l'émotion. Il y avait des super musiciens, les enfants, honnêtement, ils étaient impressionnants. Et je suis très fière de lui. Bravo aux musiciens et félicitations. Et merci d'avoir collaboré avec les enfants.